interview Bernard Fèvre, moniteur de trial, depuis quelle année? Donc pas moniteur, mais pilote officiel Peugeot de les années 70 à 80. Ah d'accord, ouais. Alors tu vas nous présenter ta moto? Oui, donc c'est une Peugeot avec un cylindre bol d'or. Bon, on va la voir, vas-y, descends. Elle participe Peugeot Terran. Ok, excellent. C'est une moto qui fait à peu près 90 kg quand même. D'accord. À peu près comme les Bultaco et Montesa de l'époque, quoi. Ok. Et donc au niveau cadre, c'est quelque chose de qui a été modifié ou ça existait déjà? Ça a été construit comme ça à l'époque C'était modifié, donc le cadre avant est Peugeot avec un angle de chasse diminué. Et puis la partie arrière pour avoir la suspension avec le brossillon, puisque les Peugeot c'était coulissant, c'était simplement deux petits amortisseurs. D'accord. Est-ce que c'est une moto qui a été inventée par Claude Peugeot alors à l'époque? Claude Peugeot, ils en avaient fait une, oui. Lui, il avait fait avec le modèle coulissant. Et après, il y a eu des prototypes, donc il n'y a, a pas eu une fabrication comme les motos mécaniques, où il y avait un team d'usine. Là, c'était simplement des particuliers qui modifiaient leur Peugeot pour pouvoir rouler en trial. D'accord.